sur glace présente Crois en tes rêves. Célébrez la magie de Disney sur glace. Émerveillez-vous. Voyagez vers de nouveaux univers. Créez des souvenirs éternels. Ne manquez pas le spectacle familial incontournable de l'hiver prochain. Disney sur glace au Zénith de Paris du 12 au 23 décembre 2018 et en tournée en France. Pour les fêtes de fin d'année, venez en famille découvrir un spectacle magique et féerique au Grand Rex. Chaque séance d'un spectacle unique et exceptionnel, la féerie des eaux. Réservez déjà vos places au Grand Rex. Oui, vous connaissez ce lieu. Vous avez probablement déjà vécu des moments forts avec nous. Mais connaissez-vous l'histoire et les coulisses du Grand Rex? Vous les avez reconnues. Ces étoiles, elles vivent au Grand Rex désormais. Et si vous preniez part à cette aventure? Devenez acteur de cinéma le temps d'une visite. Pas un petit peu trop.
Alors c'est quoi le programme, Pascal, aujourd'hui là? Alors aujourd'hui, on va faire un reportage sur la fête foraine de Noël. Mais j'ai pas pris d'argent, moi. Mais y a pas besoin d'argent, c'est une fête foraine familiale réservée au comité d'entreprise. Tous les manèges sont gratuits et à volonté. Gratuit à volonté? Non, c'est une blague. Eh ben non, c'est pas une blague. Bah tu vois, je te l'avais dit, regarde, il y a des grands parkings, on aurait pu venir en voiture. Bon, hey, on peut aussi venir en bus, en métro ou en RER, c'est aussi bien. Allez. Ah bah ça se voit que c'est pas toi qui porte la caméra, hein. Attends, écoute, je peux pas tout faire, Xavier. C'est là-bas, hein? Oui. Bon, Xavier, active-toi, s'il te plaît. La fête foraine de Noël se déroule chaque année dans le parc floral de Paris depuis plus de 10 ans et a déjà accueilli plus d'un million de visiteurs. Bah, t'es sûr qu'on est au parc floral, là? Oui, oui, là, je suis sûr, Xavier. Ouais. Xavier, allez, un peu de rythme! Allez, on traîne pas! Y'a rien là-bas, ça n'a pas de sens. La fête est là-bas, les filles. Bonjour. Ah, ça c'est mon micro. Ok, merci, allez-y, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci. Chers amis téléspectateurs, je m'apprête à rentrer dans la seule et unique fête foraine de Paris, couverte et chauffée. Et en plus, il y a même quelques grands manèges dehors. Alors suivez-moi. Bon, Xavier, suis-moi, allez. Bonjour. Merci, ça va? Allez, à moi les manèges! Bonjour, ça va bien? Et peut-être pour les enfants de Xavier aussi, non? Non, mais il a beaucoup d'enfants, discrètement Xavier, on y va. Chers amis spectateurs, les manèges sont incroyables et il y en a pour tous les âges. Bon, j'y retourne, Xavier, moi. J'y retourne. Ah bah oui, je suis obligé. Bon, t'es sûr que tu veux y aller? Non, non, je suis pas sûr, mais c'est trop tard. Xavier, c'était pas une bonne idée. Non, je t'entends rire, hein, c'est pas drôle. Oui, superbe. Madame, je crois que j'ai gagné. Je crois que j'ai le droit à un petit cadeau tout de même. Tu vois, Xavier, ça c'est du professionnalisme. C'est superbe. Allez, suis-moi, on continue. Vous avez compris, la fête foraine de Noël, c'est idéal pour passer un moment convivial en famille. Ah, eh ben il est là. Allez, viens, Xav. Père Noël, c'est à nous juste après. C'est pour ma maman, petit souvenir avec les Père Noël. Bonjour maman. Passez une bonne journée, Père Noël. Merci, à vous de même. Merci, moi j'y retourne, j'ai des manèges à faire. Bah, tu sens cette odeur là? Tu sens? Ah bah ça veut dire que tout est fait sur place. Tu veux rien toi Xavier? Bah j'ai pas d'argent, je t'ai dit. Mais si, c'est des comités d'entreprise, ils peuvent t'offrir un ticket sucré ou salé. Bon, j'utilise tes tickets hein, comme t'en veux pas. Bah j'ai jamais dit que je voulais rien moi. C'est ce que tu l'as dit Xavier, tu l'as dit hein. Ah si, tu l'as dit. Et ça tourne là. Chers amis téléspectateurs, je viens de passer 3 heures formidables dans cette merveilleuse fête foraine de Noël. Un endroit magique qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes si vous êtes plusieurs comités d'entreprise sur la même séance. Et jusqu'à 6000 personnes, oui, j'ai bien dit 6000 personnes, en version privatisée. On fait quoi maintenant? Là, en fait, on est invité dans une annexe à une remise de cadeaux. Et ce qui est génial, c'est que les comités d'entreprise peuvent privatiser des endroits pour organiser des événements, type, tu vois, petit four, champagne, anniversaire. Et en plus, attends, ils peuvent ajouter des animations, comme maquillage ou magie. Ah, bah tu veux pas aller avant à la ferme de Noël, non? Comment ça? Il y a une ferme de Noël? Bah c'est juste derrière, là. Mais il faut le dire avant, ça, Xavier, il y a une ferme de Noël ici. Je suis même pas au courant, mais on y va, allez! Bruno, ça va? Tu vois, il est assez content. Voilà, ça, c'est 2 ans de boulot, hein, pour qu'elle fasse ça. Hein. Voilà. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je vous jure, je peux pas.
Chers amis téléspectateurs, je ne peux que vous inviter à vivre cette expérience unique qu'est la fête foraine de Noël, qui ravira les petits, les grands et les parents. Ça y est, c'est dans la boîte. C'est bon? Ouais. T'es sûr que t'as envie de rentrer, toi, là? Bah écoute, je sais pas. Allez, viens. Viens, on va faire deux, trois trucs encore. Petite barbe à papa. Allez, viens. Ouais, allez. T'as rien mangé, toi, en plus. Viens, ça avance. Voilà pourquoi il faut être un enfant pour faire ça. C'est super, franchement super idée. Bah c'est cool. Très bon moment. Super, franchement on voudrait être là toute la journée. Ça fait toujours plaisir d'apprécier des moments de famille, surtout les fêtes de Noël. C'est cool hein. Très bien. C'est génial.